carton, plastique, bouchon. Dans ce supermarché de Saverne, depuis quelques semaines, les clients ont très vite adopté les bonnes habitudes en déposant leurs emballages à la sortie des caisses dans des bacs spécialement prévus. Ça évite de remplir les poubelles et puis, bon, je pense que je fais un bon geste. Ça me demande plus de mal de le mettre là que de le jeter dans ma poubelle à la maison. C'est un peu une contrainte, mais que j'accepte parce que il est grand temps de faire quelque chose. Hein. Cette démarche s'inscrit surtout dans le cadre du projet de loi Grenelle 1, qui prévoit une taxe sur le poids des poubelles des ménages d'ici 10 ans. Objectif, réduire la production de déchets de 5 kg par an et par habitant. Ce supermarché trie ses déchets depuis plusieurs années. En proposant à sa clientèle de faire de même, il espère aller dans le bon sens. En tant que supermarché, nous, on a un rôle à jouer, je pense, au niveau de la cité, avec un C majuscule. Ça rentre dans un aspect global de la protection, on va dire, de l'environnement. On a une filière spécifique qui fait que nos déchets sont revalorisés. Hein, donc après, ils sont triés, revalorisés. Et pour nous, ça paraît normal que nos clients puissent participer aussi et le voir aussi. Et sans communication, à part la communication qui est affichée, les clients spontanément jouent le jeu. Quoi. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Donc c'est plutôt positif. L'opération, lancée avec l'association alsacienne Osmonde 21, devra continuer tout au long de l'année.